we pray and give a prophetic word. Toutes les années, nous prions et nous cherchons une parole prophétique pour l'année. Who knows what is a word for 2019? Qui s'en accorde sa parole pour 2019 là? Okay. It's the covenant of completeness. C'est l'alliance de l'accomplissement. Somebody say covenant. Et qui dit l'alliance? Of completeness. L'accomplissement. What does that mean? Qui ça veut dire? That everything God started in your life. Qui tout ce qui bon Dieu commence dans la family, vie, dans la famille, or business, ou business, He will complete. Lui pour terminer. God never starts something that He does not finish. Can you say amen? Please touch your ear. Of course, it's a little bit complicated for Shimei. So check, this is one ear. Alors ça c'est une oreille. And this is two ears. Ça c'est deux oreilles. It would be funny if he had only one. Il serait plus comique si il avait une seule oreille. Or if he had only half face like this. Une moitié visage. So God. Alors when Dieu, he starts something, quand il fait quelque chose, he completed. Il termine. So your dream, your vision, alors mon rêve ou mon vision, will be completed. Somebody say hallelujah. Il va être accompli dans le nom de Jésus. Qui so dit hallelujah. I'm busy preaching about that. Et nous parlons de ça. Last Sunday I spoke about the anointing alors, of completeness. Dimanche mon cause de ça, l'onction d'accomplissement là. So God will do His part. Alors Dieu lui fait ce part. There is no problem with that. Pas aucun problème avec God ça. God give us anointing. Dieu donne l'onction là. Empower us. Il to finish it. Il finit. But understand, et comprend aussi, we have things to do. Nous avons quelque chose à faire de nous part. Is that okay? C'est ça ok? Let me ask a question. Est-ce que me demande juste une question? But please don't lie. Et bien c'est pas cause mentir. How many of you? Combien d'entre vous? God eats for you. Dieu lui mange pour vous. If God do this, I give you 1 rupee. Si Dieu fait ça pour vous, me donne juste 1 rupee. What am I trying to say? Qui me veut redire? God bless us. Dieu bénit nous. God give us food. Dieu donne nous la nourriture. God give us strength, courage, we work. Il donne nous la force, courage pour nous travailler. But we have to eat the food. C'est nous qui mettons ça à manger dans notre bouche, nous manger. That's why on Thursday I also spoke about the decision for completeness. À cause ça, je dis une cause, prends une décision pour nous manger l'accomplissement. Like Paul said. Comme Paul dit. I forget what is behind. M'oublier le passé, ce qui pas derrière. I press towards the mark. Me conti al de l'avant. Do you understand? Est-ce que tu comprends cela? God cannot forget the past for you. Dieu peut pas oublier le passé pour vous. We have to forget the past. Nous nous oublions ça passé là. Is that okay? Est-ce que ça OK? Let's say this with me, say in the name of Jesus. Dis ensemble avec moi, nous dis dans le nom de Jésus. I forget the past. M'oublie le passé. I forget every negative thing. M'oublie tout même quelque chose négatif. Because the devil, parce que le diable, will always try to bring condemnation. Tout le temps amène condamnation. Guilt, culpabilité, et frustration. Maybe there are things in 2018. Et faire même quelque chose 2018. We wanted to do. Qui nous tient envie faire? It did not happen. Ça pas une fin arrivée? Then we are discouraged. Et là nous décourager? We have to forget it in forget 2018. Nous oublier 2018. Is that okay? Est-ce que ça ok? We forget. N'oublier ça? And press toward the front. Et nous continuer à aller de l'avant. You look too serious this morning. Ça paraît trop sérieux. I want you to do some exercise. Bon, laissez faire quelques exercices. Let us stand, please. Laissez-nous mettre nous debout. Look forward. Alors, non, look devant. Back. Look backward. Alors, get devant. Get and alors, walk forward. Et get devant. What will happen? Qui peut arriver? You cannot look backward. Ou pas qu'aller à l'arrière. And walk forward. Et marche devant. You will fall. Ou vous tomber. How many of you drive? Combien d'entre vous conduisent? In the car, you have a rear mirror. Dans ça, le téléphone est rétroviseur. You cannot drive constantly. Ne pas qu'à conduire constamment. By looking at the back. Et ne pas qu'être dans le rétroviseur. You will have an accident. Pour un accident. Do you understand that? Je comprends ça. Somebody say, I forget behind. Un quelqu'un dit, m'oublie le passé. I look forward. M'oublie devant. Give the Lord a big hand. Je laisse un grand applaudissement. Please take your seat. Et je caresse de place, merci. So you see, there are things we have to do. Mais c'est la main qui chose, nous ne n'a pas besoin de faire. Amen. Amen. This morning, I'm going to talk to you about the attitude of completeness. Alors aujourd'hui, nous causons l'attitude pour moi de l'accomplissement. I want to show you a slide. Je vais vous montrer juste un slide about how attitude is very important. Comment une bonne attitude est important. Yes, you ready? Alors si ça c'est prêt. It's about a flat, a punctured, a broken tire. Alors le un pneu déchiré. This was on Facebook and I shared it. Ça c'est le Facebook et m'avait posté ça avec ça. Attitude is like a flat tire. You cannot go anywhere until you change it. Alors ça veut dire qu'une mauvaise attitude, il paraît comme un pneu plat, la roue plate,
Et nous pas cavale aucun place tant que nous pas change li. So a bad attitude, c'est une mauvaise attitude, a negative attitude, une attitude négative, will stop you. Ça peut arrêter où? You cannot go forward. Ou pas pour cavale de là. We have to change it. Nous devons changer. So having the right attitude, alors une bonne attitude for completeness, pour l'accomplissement. In Philippians chapter 1 verse 8. Alors dans Philippiens chapitre 1 verset 8. The Bible says, la Bible dit, being confident of this very thing, that he which has begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Alors Philippiens chapitre 1 verset 8 en français. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Let's look at this again in Amplified Bible. Mais je ne retourne en version amplifiée. This is a beautiful year. C'est une jolie année. Somebody say this is a beautiful year. Un qui dit ça, c'est une bonne année. Oh, you will be successful, blessed. Vous faire succès et béni. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Look at this. You regarde cela. I am convinced and sure of this very thing, that he who began a good work in you will continue until the day of Jesus Christ, right up to the time of his return, developing that good work, perfecting and bringing it to full completion in you. Bien sûr, ça dit qui me convaincu et sûr qui tout qui chose qui ça qui commence. Ok. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. English again, please. Version en version interprète it like this, okay? Word by word, listen to this. Mot par mot. Like I said, we have things to do. Bien sûr, nous n'avons pas à faire. Like Paul said, I am convinced. Pareil comme Paul dit, je suis convaincu. God has given a word. Dieu nous donne une parole. Covenant of completeness. Par une parole, l'alliance d'accomplissement. But he said, I am convinced, we have to be convinced. Il promet que nous devons être convaincus. And sure this thing will happen. Et être sûr que ça qui va arriver. That he, God, who started this work, qui lit Dieu qui commence cette bonne œuvre, he will continue it. Il peut continuer ça. I like this definition. Say, vous comprenez cette définition-là? And develop that good work. Il peut développer ça bon travail-là. Develop that vision. Develop that dream. Développe sa vision-là, sa rêve-là. Not only that, please pay attention to pas every word ça. On this. He said, perfecting it. Il dit qu'il perfectionne. Oh, and bringing it to full completion. Et amener un travail là complètement. You know, this word full is already full. Ça me remplit, il est déjà rempli. Full means already it's full. Rempli veut dire rempli. But look at this, very important. Mais ça est bien important. And you know, complete means complete. Complete, être complet, c'est ce complet. But God put this word, it will be full completion. Et Dieu là dedans il dit que ça pour complet. This means you cannot fail. Ça veut dire que vous pas qu'à faillir. Someone say I cannot fail. Quelqu'un dit moi pas qu'à faillir. Someone say I cannot fail. Quelqu'un dit moi pas qu'à faillir. But you need to have this confidence. Mais nous devons avoir sa confiance. Someone say with me I am convinced. J'aimerais être convaincu. Please, it's important to repeat this prayer. I am convinced. Moi être convaincu. And I am sure. Et moi sûr. It will happen this year. Ça peut arriver ça l'année là. It will be completed this year. Il peut arriver ça l'année là. Is that okay? Est-ce que ça OK? In 1 John 5:14. Alors 1 Jean 5:14. He said, and this is a confidence, the assurance, the privilege of boldness which we have in him. We are sure that if we ask anything, make any request according to his will, in agreement with his own plan, he listens to and hears us. Bien sûr, Lydia, qu'il a la confiance, l'assurance et un privilège d'assurance qui s'acquiert, qui nous demande qui chose, qu'il peut donner nous, selon son accord, et il peut écouter nous. Okay. So, A plus in translation. Very good. Very important. Bien important. This is a confidence. C'est confiance. Everybody say confidence. Nous tous disons confiance. Okay. What does that mean? You have to have an assurance. C'est-à-dire qu'il nous donne la confiance, l'assurance. Is that okay? God cannot have the assurance for us. Dieu n'est pas capable de nous donner l'assurance. We have to have the assurance. Nous besoin d'assurance ça. Amen.
That we must be sure. Qu'il nous faut être sûr. Somebody say, I am sure. Et dit, sûr. Say again, I am very sure. Qu'il me très sûr. What are you sure? That God listened to me. Que Dieu écoute à moi. And of course, He answers me. Et bien sûr, il écoute nous. You know, we have to be determined in life. Bien sûr, nous devons déterminer dans la vie. Miracles are happening so easy in life ministry. Miracles tellement arrivent tellement facile dans la vie. Simple. Très simple. I always say it is like snacks without the rum. Tout le temps, je dis qu'on dit gajak sans rhum là. Vous connaissez? In Mauritius, you know there is a cornfish. Je connais dans Mauritius un poisson corne. Pastor Sweetie like to eat cornfish. Pastor Sweetie qu'on t'aime manger corne. And the chili. Et sa piment là. And the salad and the bread. Et salade là. Since November last year, she wanted to eat that. Depuis novembre l'année dernière, tu en vis manger ça. In January, her prayer was answered. En janvier, sa prière finit d'exaucer. Completion. Inaccomplie. Without rum. Sans le rhum. Sans rhum. Sans rhum. Amen. What am I trying to say? Qui veut bien dire? We must be sure. Nous devons être sûrs. On Wednesday, you know the devil will always try. Mercredi tout le temps rappelle qu'il le diable tout le temps veut essayer. Not, you know, many people say, "Oh Bishop, you have given a word, you, completeness." Bien sûr, pas dire, Bishop nous demande une parole. We can't just sit back. Et nous pas nous dit ça si. And it will happen. No. Ça peut arriver. Non. There are things we must do. Et la chose nous besoin faire. Amen. Amen. We need to be sure. Nous devons être sûrs. We need to have this confidence. Nous devons avoir l'assurance. This assurance. Cette assurance. It will happen. Il peut arriver. On, you know, God is moving mightily. Dieu peut mouvoir puissamment. And somebody came and I prayed for them. Et quelqu'un vient me prier pour lui. And God showed me an evil spirit. Et Dieu il montre-moi un démon. And I was shocked. I said, God, I did not know this person. Et moi par contre cette personne là. And when I also said, yes, this spirit come and visit me. Et là il dit oui, ça démon là il vient visite moi. We see the reality of the spiritual world. Je trouve la réalité du monde spirituel. And of course the power of God. Et bien sûr la puissance de Dieu. On Wednesday, en mercredi, I got an attack. Moi j'ai une attaque. I woke up with high fever. Me levé avec la fièvre fort. I got tooth problem. J'ai un problème avec mes dents. I hurt my tongue. Me blesse mes dents. I could not eat. I could not eat curry. Moi pas capable manger. Curry. I could not talk. You know you can't talk. And I had to preach this message on Thursday. Et moi j'ai prêché jeudi. A pastor called me. Un pasteur appelle moi. And I was telling him what happened. Et me tu peux pas t'attendre avec qui. Then say no problem, Bishop. If you want, I can preach on Thursday. Il dit Bishop, paraît si vous voulez me prêcher jeudi. This looks nice. Il paraît bien. Very comfortable. Très confortable. I sit back, relax. Moi je dis relax. Then I say no. Thank you. Je dis merci. But God has given me this revelation and I have to preach it. Et Dieu demain sa révélation m'a besoin prêcher ça. And I persevered. Et moi persévéré. I fight against it. Moi la guerre contre ça. And I was able to preach. Et moi tu capable prêcher. And you saw how many miracles happened that first day. Et j'ai trouvé combien miracles il est arrivé. Do you see that? Do you see that? So the devil will try. Alors le diable tout le temps va essayer. If we let us go down, we will go down. Si nous restons down, but I stood. I said no. I refuse you. Me refuse toi. I rebuke you. Me renonce toi. I will fight in Jesus' name. Et pour la guerre au nom de Jésus. So we need to have this assurance. Et Jésus nous donne cette assurance. Somebody say assurance. Et qui dit assurance. Somebody say confidence. Et qui dit la confiance. Ephesians chapter 3 verse 12. Éphésiens chapitre 3 verset 12. It's in whom because of our faith in him we dare to have the boldness, courage and confidence of free access and unreserved approach to God with freedom and without fear. Il dit en celui qui nous donne la foi, qui nous donne cette assurance, courage et confiance, qui nous donne accès libre, sans reproche à Dieu, dans sa liberté, sans la crainte. Amen. Amen. Very important. Très important. So we have faith in Him. Nous avons la foi en lui. We dare to have the boldness, courage, and confidence. Nous avons courage, confiance, assurance. When we come to God, quand nous venons vers Dieu, He hears us. Il est en nous. He listens to us. Il écoute nous. He will answer us. Il répond à la prière. And we will have the victory. Et nous prenons sa victoire. Someone say amen. Quelqu'un dit amen. Confidence. Somebody say confidence. Quelqu'un dit confiance. In Hebrews chapter 4 verse 16. Alors Hébreux chapitre 4 verset 16. Again, the first phrase says, "Let us then fearlessly and confidently, boldly draw near to the throne of grace." Et là, Lydia qui nous vient sans la crainte, avec confiance et qu'en assurance, vient devant le trône de la grâce. So we need to have this confidence. Alors nous avons cette confiance. Amen. Amen. God has said it.
Dieu fin de li. It will happen in the name of Jesus. Li pour arriver dans le nom de Jésus. Amen. Amen. It will happen. Li pour arriver. Jeremiah 17:7. Alors Jérémie 17:7. Most blessed is a man who believes in, trusts in, relies on the Lord, whose hope and confidence the Lord is. Il est béni cet homme qui croit, fait confiance, qui met sa confiance dans le Seigneur et sur l'espoir, sa confidence aussi. Alléluia. Alléluia. Someone say, lift up your hand, say, I believe. Je me crois. Say, I believe in the word. Je me crois dans la parole. I trust in the Lord. Je fais confiance au Seigneur. I rely on the Lord. Je appuie moi-même dans le Seigneur. Can you say again these three words? Say, I believe in the promise. Je me crois dans la promesse. I trust in the promise. Faire confiance à la promesse. I rely on the Lord. Et m'appuie moi-même dans le Seigneur. What does the word of God say? Que la parole de Dieu dit. We will be blessed. Nous pourrons être bénis. What does that mean? Ça veut dire, this word must be fulfilled. Sa parole bizarre accomplir. That it's not a choice. Pas dans le choix. Let me give you a very deep prophecy. Mais nous avons une prophétie très profonde. Your mother-in-law cannot stop it. Votre belle-mère pas capable de ça. Your father-in-law cannot stop it. Votre beau-père pas capable de ça. The devil cannot stop it. Le diable pas capable de ça. The brother of the devil cannot stop it. Le frère du diable pas capable de ça. The sister of the devil cannot stop it. Sœur du diable pas capable de ça. The mother of the devil cannot stop it. La maman du diable pas capable de ça. Because God said it will happen. Parce que Dieu a dit, and it will happen. Et il pourra arriver. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. If you believe, give the Lord a big hand. Je crois, applaudis le Seigneur. When I was studying in South Africa in 95-96, I graduated there. It was not easy. You know, as a student, many students when they go overseas. Today, you know, some children. Yeah, they're tellement gâtés. They are very spoiled. Vous êtes bien gâtés. Before they even register for university. Avant même enregistrer pour l'université. I have some children, I can tell you. On a quelques enfants, mon cas de Jésus. Amen. Amen. They want to live in on the campus. Ils ont envie de vivre en dehors campus. They already tell you what they will eat for 3 years. Je finis de dire qu'ils vont manger 3 ans. They want a car there. Ils veulent le tout là-bas. N'est-ce pas, chemin, gars? Yeah. And they give you a long list. But when I went to study, I had to work during the day. Long hours. I was a cashier at Spar. And I finished working. Then I go to study. I came home very late, 11 o'clock. At this time, we will have dinner. Then wake up again tomorrow morning, 5 o'clock. It was tough. We don't have money when we were studying. We did not have about 10 rupees at that time to buy a can of Coke. Tu faisais 10 roupies pour acheter l'argent à l'époque là. We could not. But we trust in the Lord. Mais nous faisons confiance au Seigneur. God gave me a verse. Dieu nous donne un verset. In Proverbs 3:26. Proverbe chapitre 3 verset 26. I stand on this word. Mon appui moi-même sur sa parole. He said, "For the Lord shall be your confidence, firm and strong, and shall keep your foot from being caught in a trap or hidden danger." Il dit que le Seigneur, il peut être nous confidence, un ferme et strong, un fort, et lui va pour laisser nous les pieds tomber. Let's read it in French also, please. En français aussi. Read it in normal French, and you translate. Quand l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Go back in English. En anglais. Hallelujah. If the parents, if you're sitting next to your children, tap him on the back. Hey, have confidence in the Lord, not in me. Hey, I am not your source. I hope my son was interpreting me this morning also. I hope. Tap. Hey, don't put your confidence in me. Pas mettre ta confiance dans moi. I am not your source. Pas moi qui te la source. God is your source. C'est Dieu qui te la source. Oh, hallelujah. Amen. Amen. God will not fail you. Dieu pour you know, my mother, father was so poor. Alors, mes parents étaient tellement pauvres. They could not even send me money, no money. Je vais te faire avec moi un logement. I went by myself. Je n'allais pas moi-même.
Amen. I work and paid my own studies. I trust the Lord. And Seigneur. The Lord provided. Et le Seigneur fait pouvoir. What man cannot do, God can do. Ce qui l'homme pas qu'à faire, help Dieu me faire. This morning. Avec oh, I feel a word for all my brothers and sisters also from abroad. Maybe you trust some friends to send you some money. Maybe they could not send or they did not send. But this morning the Lord says, the Lord shall be your confidence. And he will protect you, bless you, deliver you, and fulfill what you came in Mauritius for. Amen. Amen. The Lord is my confidence. Le Seigneur lui est ma confiance. For 2 years, I was just repeating this word. Deux ans, tu peux répéter ça à la prière là. And God did it. Et Dieu fait faire. I was graduated. Et bien seulement gradué. I am here today. Et aujourd'hui, moi là. Philippians 2 verse we pray. Philippians 3:3. Philippiens 3:3. English first. En anglais avant. Listen to this. For we Christians are the true circumcision, who worship God's Spirit and by the Spirit of God and exalt and glory and pride our Savior Jesus Christ. And put no confidence or dependence on what we are in the flesh and on outward privileges and physical advantages and external appearances. Quand les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. This is very important. Ça l'est bien important. Go back in the scripture. Nous retournons en anglais. God has given a word. Dieu nous donne une parole. And what Paul is saying, ce qui Paul peut dire, I don't put my confidence in the flesh. Je ne vais pas mettre ma confiance dans la chair. You know, this is a human being nature, human ça, nature. C'est la nature humaine. We don't like to be out of our comfort zone. If this thing have worked yesterday, we want to do it just like that. But no, don't put confidence in your experience, in your education, in politicians, in people, but in the Lord. Let me explain. There is somebody in the church. When God put in their heart to do a business, and of course, you know, people, we are used to certain stuff. Bien nous humains nous habitués avec quelque like chose. Like Mauritius, they like to eat basmati rice. Pareil comme en Mauritius, quand on mange du riz basmati. Long grain, they call it long grain. Non, long grain du riz. But in South Africa, mais dans Sud-Afrique, they eat the rice. Je mange du riz. For me, it's like a macadam. Pour l'Indien, macadam. Okay, for us it's hard. It's, pour nous, it's Mauricien, big. Il gros, it's like a small stone. It's like a small stone. Il paraît comme une durie dure. So how can you eat that? C'est comment tu peux manger ça? But this is what they like. Mais c'est ça qu'ils veulent manger. You know, there are some things that we are used to. Et dans quelque chose, nous sommes habitués avec ça. If you are used to certain kind of milk, si nous habitués avec certains types de lait, this is what you drink. Et c'est ça qu'ils boivent. Or tea, or coffee. Ou du thé ou café. Is that okay? C'est ça OK? But the same thing when this person, God put in his heart to do a business. Et pareil, Dieu met un Denis de faire business. He did not know anything about it. Il pas tu connais rien de ça. He went in the shop, first shop. Il est allé dans la première boutique. The shop said, "Mister, you are wasting your time." Il dit, monsieur, vous perdez le temps. Because there is other brand on the market for 30-40 years. Il dit parce qu'il a mené les autres marques sur le marché pendant 30-40 ans. People won't buy this. Ils vont pas acheter ça. Second shop the same thing. Deuxième la boutique même affaire. And a couple of other people. Et aussi d'autres personnes. But I thank God. Mais me remercie le Seigneur. He did not put confidence in those words. Il va mettre confiance dans ces paroles là. He persevered. He put confidence in the prophetic word. Il met sa confiance dans la parole prophétique. No confidence on negative words. Et pas mal par confiance aux paroles négatives. Confidence in the word of God. Mais confiance dans la parole de Dieu. On the promise. Dans la promesse. He continued. Il continue. Continued. Il recontinue. Continued. Il recontinue. Today we give God the glory. Aujourd'hui nous donnons Dieu la gloire. They are number one in Mauritius. Le numéro 1 à Mauritius. In all the supermarkets they are there. Dans tous les supermarchés ils sont là. Someone said no confidence in the flesh. Someone said no confidence in the flesh. Lift up your hands in the name of Jesus. No confidence in the flesh, in my experience, in my thoughts, but in the word of God.
This is a very dangerous thing. Ça est quelque chose bien dangereux. If it worked yesterday, si ça a fait marcher hier, it does not mean it can work again like this tomorrow. Parce que vous savez qu'il peut marcher pareil aujourd'hui et demain. Confidence in the Lord. Mettez confiance dans le Seigneur. You know Moses did this mistake. Moïse une fois ça erreur. God said Moses, hit this stone. Dieu dit à Moïse, tape l'eau ça rosa. And water will come out. Et de l'eau sortit. Wow. He took a stick and hit the stone. Il prend un bâton, il tape ça. Water came out. De l'eau sorti. Second time. Deuxième fois. God says, speak to the stone. Et Dieu dit à Moïse, cause que ça rosa. What did Moses do? Qui Moïse in fait? In his anger. Dans son colère. He beat the stone again. Il tape ça encore. And God was very angry with him. Et Dieu est tellement colère avec lui. He did not enter the promised land because of this. Il va ne rentrer dans la terre promise. Do you see? This is human nature. Ça c'est la nature humaine. We like to do it like, oh, I used to do like that. Nous comptons faire quelque chose à cause nous habitués faire quelque chose. Do it like God says. Bien dit comme bon Dieu dit. Someone say no confidence in the flesh. Je ne veux pas mettre ma confiance dans la chair. I am sure. Monsieur, my trust. Someone say, I believe. I trust in. And I depend on the Lord. Amen. Amen. Let us close with this scripture in Psalm 20, verse 7. Nous terminons avec ce verset-là dans Psaume 20. Verse 7. Verset 7. Oh, praise Jesus. Some trust in and boast of chariot and some of horses. But we will trust in and boast of the name of the Lord our God. Ceci s'appuie sur leurs chars, cela sur leurs chevaux. Nous nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Amen. Amen. What does the word say? Que la parole dire? Some trust in experience. En accord de l'expérience. Some trust in family. En accord de famille. Or whatever. Ou n'importe quel. Let me tell you something. Je me dis we trust in the Lord. Somebody say, I trust in the Lord. Somebody say, I trust in the Lord. I trust in the Lord. I don't know how it will happen. I don't know when it will happen. Yeah, I don't know. I know it is difficult. I know it can look impossible. I know in the natural it looks there is no way. I trust in the Lord. Faire confiance le Seigneur. And he will do it in the name of Jesus. Et il dans le nom de Jésus. He will complete it. Il peut compléter. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Completion. Completeness. In Jesus name. Dans le nom de Jésus. Can you please close our eyes? Laisse-nous, open our heart. Ouvrez-nous les cœurs.